Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de télévision Réveil TV, faire votre émission Le Retour à la Parole. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir être en vie et en bonne santé. Et nous voulons vraiment profiter de ces temps, de ces moments que le Seigneur permet, que le Seigneur nous offre pour davantage nous encourager. Nous encourageons pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous encourageons parce que la parole nous le recommande et nous voulons simplement être prêts pour ce grand départ qui est plus que jamais imminent. Donc ce soir, nous allons, excusez-moi, poursuivre sur le thème de la fin des temps. La semaine dernière, par la grâce du Seigneur, nous avions parlé de l'enlèvement de l'Église et on a pu voir que l'enlèvement est réservé à l'Église, aux enfants du Seigneur, ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et on n'a peut-être pas vu, mais l'enlèvement aussi est une image de ce qu'Énoch a vécu. On dit qu'Énoch marcha avec Elohim et il fut pris afin qu'il ne voie point la mort. Donc c'était déjà une préfiguration d'enlèvement, ce qu'Énoch avait vécu, notamment également ce que Élie avait vécu aussi était une préfiguration de l'enlèvement. Donc nous allons ce soir partager autour de la grande tribulation, mais par la grâce du Seigneur, nous verrons d'abord les deux événements qui suivent l'enlèvement, donc notamment le tribunal de Christ et les noces de l'agneau. Donc Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Enseigne-nous, Père. La Bible dit que l'esprit allait nous enseigner toutes choses. Nous comptons sur toi, Seigneur. Personnellement, je ne connais pas. Je veux apprendre, Seigneur, par ton esprit. Dispose les cœurs de toutes les personnes qui nous reçoivent chez elles et guéris les malades et bénis toutes ces personnes au nom de Yeshua. Amen. Donc ce soir, nous allons un tout petit peu parler des noces de l'agneau et du tribunal de Christ. Et nous allons axer tout le reste de l'enseignement sur la grande tribulation. Donc on va prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5. Donc on est dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10. Donc comme on l'a vu, n'est-ce pas, vendredi dernier, le déclenchement des événements futurs commence avec l'enlèvement. Donc on a parlé de l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église est enlevée. On a vu que l'Église monte, l'Église va vers le Seigneur. On a notamment pris 1 Corinthiens chapitre 15. On avait aussi pris 1 Thessaloniciens chapitre 4. On a aussi pris Actes des Apôtres chapitre 1. Donc on a vu que l'Église est enlevée. Mais quand l'Église est enlevée, l'Église va où et l'Église fait quoi? Donc on est en 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10. Il est vrai que la Bible ne donne pas une chronologie des événements, excusez-moi, concernant les noces et le tribunal de Christ. La Bible ne donne pas de chronologie, mais on veut le donner comme l'esprit nous permet de comprendre. Donc, quand l'Église est enlevée, elle arrive devant le tribunal de Christ pour recevoir des couronnes. Donc, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 10. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Donc, je vais relire le passage. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Excusez-moi. Donc on peut enlever le passage, s'il vous plaît, les frères de la régie. Donc ici, Paul nous apprend, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, qu'il nous faut tous comparaître, il nous faut tous apparaître devant le tribunal de Christ. Donc le tribunal du Mashiach ou le tribunal de Christ. Ce n'est pas un lieu de jugement lié à la condamnation. Le tribunal du Mashiach est ce lieu où les œuvres que les chrétiens auront pratiquées seront mises en évidence. C'est-à-dire, on peut se référer par exemple à la parabole des talents de Matthieu 25. Donc, on a vu que le maître est allé pour un long voyage et qu'il a confié des talents à ses serviteurs, comme nous aujourd'hui. Le Seigneur est parti, n'est-ce pas, nous préparer une place au ciel. Il nous a laissé avec des dons, avec des grâces et des talents pour pouvoir les fructifier, pour pouvoir, n'est-ce pas, les produire, pour pouvoir les produire autant pour moi, oui. Et lorsqu'il reviendra, il nous demandera naturellement des comptes par rapport au travail, par rapport à ce qu'on aura fait.
Donc le tribunal de Christ, le tribunal du Machia, c'est le tribunal qui rassemblera tous les chrétiens après l'enlèvement. Donc c'est le tribunal devant lequel tous les chrétiens seront jugés. Mais pas par rapport à la condamnation, mais jugés par rapport aux œuvres qui seront accomplies. Donc là, quand l'Église part, elle arrive au ciel, elle arrive devant le tribunal du Machia, où le Seigneur, bien sûr, nous demande des comptes. Et qu'est-ce qui peut nous le prouver, qui le confirme? Je crois que dans la vie même au quotidien, lorsqu'on est employé dans une entreprise ou lorsqu'on est employé quelque part, notre employeur a le plein droit de nous demander des comptes par rapport à la charge ou à la mission qu'il nous a confiée, qu'il nous a assignée. Il fera la même chose avec le Seigneur. Nous ayons laissé sur terre pour fructifier les dons, les grâces et les talents qu'il nous a donnés. Lorsqu'il reviendra, bien sûr, il nous demandera des comptes. Pourquoi ? Pour voir la manière à laquelle on a géré les dons, les grâces et les talents qu'il nous a donnés. Et suite à cela, on sera récompensé, on sera couronné. Donc c'est un peu ça, en quelques mots, le tribunal de Christ. On peut prendre par exemple 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12 aussi nous en parle. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. Donc l'Église est enlevée et l'Église arrive devant le Seigneur, devant le tribunal du Machia pour recevoir des couronnes. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 12. Nora, montez un peu s'il vous plaît. Voilà, selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yeshua le Machia. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'argent, avec de l'or, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. Car le jour la fera, on est au verset 13 s'il vous plaît, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révèle dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme à travers le feu. Donc on va revenir au verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Donc ce passage, bien sûr, nous parle du tribunal du Machia. Donc on dit que si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement qui est Yeshua. Donc on peut enlever le passage, s'il vous plaît. Donc on apprend ici que nous servons le Seigneur sur la base du fondement qu'il est. Donc on ne sert pas le Seigneur sur la base de notre fondement. Pourquoi je mets cela en évidence? Pour nous amener à comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bonnes œuvres. Comme Mère Teresa par exemple à l'époque. Comme beaucoup de musulmans, des catholiques, des religieux. Comme les riches tels Bill Gates et beaucoup qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais parce que leur œuvre n'est pas bâtie sur le fondement qui est Yeshua, qui est la parole, ils n'auront aucune récompense. Parce que l'œuvre, le travail qu'on accomplit pour le Seigneur, l'accomplit sur la base du fondement qu'il est. Donc la première base pour recevoir une récompense, il faut bâtir sur le fondement qui est Yeshua. Et le fondement qui est Yeshua, c'est quoi? C'est sa parole. Donc c'est la première chose. Donc ceux qui sont concernés, n'est-ce pas, par les récompenses dans le tribunal de Christ, c'est un des personnes qui ont d'abord accepté le Seigneur dans leur cœur et leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui ont le Seigneur Yeshua, qui ont la parole du Seigneur pour fondement. Et parce qu'ils ont Yeshua pour fondement, n'est-ce pas, ils savent que le Seigneur nous encourage, par exemple, à prier pour les malades, n'est-ce pas, à enseigner la parole, à faire du bien, à s'occuper des veuves, des orphelins, des prisonniers. Il y a tellement de choses à faire pour le royaume parce qu'ils ont la parole du Seigneur pour fondement. Ils serviront le Seigneur sur la base du fondement de la parole. Donc ces personnes, n'est-ce pas, après leur mort ou lors du retour du Machia, lorsqu'elles arriveront devant le tribunal de Christ, du Machia, alors le Seigneur nous demandera des comptes par rapport à ce qu'on aura fait. On a appris quoi ici dans ce passage? Qu'il y a d'une part l'or, l'argent, le bois, le foin, le chaume et les pierres précieuses, et les perles précieuses, autant pour moi. Donc on apprend qu'il y a différents types de façons de servir le Seigneur. Ceux qui servent le Seigneur avec l'or,
Faisons qu'ils le savent avec la foi, parce que la foi est comparée généralement à l'or périssable. Faisons des gens qui savent le Seigneur avec zèle, avec détermination, qui savent le Seigneur avec sainteté, consécration. Donc on apprend quoi ici? Que l'or, comme l'argent et les perles précieuses, ne peuvent pas être consumées par le feu. Donc ce sont des personnes qui savent le Seigneur avec zèle, avec sérieux, avec détermination. Donc lorsqu'elles arriveront, ces personnes devant le tribunal de Christ, du Mashiach, elles recevront des récompenses. Pourquoi? Parce que l'or, l'argent et les perles précieuses ne sont pas consumées par le feu. Et le feu là, c'est quoi? Le feu là, c'est l'image du Seigneur lui-même qui est un feu dévorant. Donc le feu qu'est le Seigneur éprouvera toutes les actions qu'on pose. Et ce qu'on doit retenir, c'est pourquoi on ne doit pas servir le Seigneur avec négligence, avec paresse et nonchalance. Voici pourquoi on ne doit pas servir le Seigneur avec orgueil. Parce que toutes les personnes qui servent le Seigneur avec orgueil, avec vaine gloire, n'auront qu'une récompense. Les personnes qui auront des récompenses, c'est les personnes qui servent le Seigneur avec humilité, avec simplicité, qui le servent avec des cœurs purs, qui ne recherchent pas la gloire qui vient des hommes, mais qui recherchent la gloire qui vient du Seigneur. Donc on parle d'abord, premièrement ici, du tribunal du Mashiach. On veut quand même prendre du temps pour expliquer. Donc le tribunal du Mashiach, n'est-ce pas, fait endroit au ciel où les chrétiens iront recevoir leur récompense, comme on le voit ici. Il y a aussi des personnes qui bâtissent avec le bois, avec le foin et avec le chaume. Et vous le savez très bien que le bois, le foin et le chaume, fait matériaux, sont consumés par le feu. Donc c'est l'image des personnes qui servent le Seigneur avec négligence, avec paresse, avec orgueil, avec vaine gloire. Donc leur récompense, ils n'auront pas de récompense. Pourquoi? Parce que leur œuvre sera consumée par le feu. Alors qu'est-ce que le tribunal de Christ, du Mashiach, doit produire dans le cœur de chaque chrétien? Le tribunal du Mashiach doit produire en nous de servir le Seigneur avec simplicité, avec humilité, avec amour, avec zèle, avec détermination, avec consécration. Pourquoi? Parce que si on le sert, n'est-ce pas, avec orgueil, notre récompense sera consumée, notre œuvre sera consumée par le feu. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent à servir le Seigneur dans la vaine gloire. Et tous ceux qui le servent avec vaine gloire, lorsqu'ils prêchent, son cœur est enflé. Il dit, waouh, quelle connaissance, frère. Les gens peuvent dire amen à ton message, mais tu n'auras pas de récompense parce que l'orgueil sera consumé. Les actions qu'on pose par orgueil seront consumées par le feu. La chaque fois que tu chantes, que tu joues d'un instrument, que tu aides un frère, que tu aides une sœur, que tu sonnes la trompette, tout le monde a savoir que oui, tel frère a aidé tel frère. Ta récompense, tu ne l'auras pas. Et il y a le passage de Matthieu pour qui nous le parle, qui nous en parle. Si les frères peuvent nous retrouver ce passage dans Matthieu, là où on dit que on parle des pharisiens, dans Matthieu 5 ou 6, on parle des pharisiens, n'est-ce pas, qui portent des actions. Et qui ont déjà leur récompense parce qu'ils le font et ils reçoivent la récompense des hommes. S'il vous plaît, les frères, à la régie, retournez ce passage dans Matthieu 5 ou 6. On parle des pharisiens, par exemple, qui jeûnent, qui ont un visage tout défait, tout ça. On parle des pharisiens qui posent des actions pour être vus des hommes. Et ils n'auront aucune récompense. Toutes les actions qu'on pose par orgueil, par vaine gloire, il n'y aura aucune récompense. Donc le tribunal de Christ, c'est le lieu où tous les chrétiens, les disciples du Seigneur, l'épouse, ira, n'est-ce pas, présenter son œuvre et son travail pour le roi. Et tout ce qu'on aura fait, toutes les fois qu'on aura prêché, enseigné, prié pour quelqu'un, qu'on aura fait du bien, qu'on aura chanté, qu'on aura posé une bonne action, toutes les fois qu'on aura fait ces choses et que nos cœurs seront remplis d'orgueil, frère, on n'aura aucune récompense. Et ça doit nous interpeller à servir le Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité, dans la pureté. Donc ici, on apprend dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas, à partir du verset 10 à 13. Qu'on a lu tout à l'heure, on apprend que l'œuvre de chacun sera manifestée et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Tribunal du Mashiach. Donc, frères, servons le Seigneur avec pureté de cœur, avec simplicité, avec humilité, afin de recevoir des récompenses. Et vous avez aussi, pour ceux qui méditent à la maison, la parabole de Matthieu 25, la parabole par exemple, des talents, qui nous parle précisément aussi de cela. Nous ne devons pas être paresseux. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec négligence. On doit le servir avec zèle. Et il dit quoi? Maudit est quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Donc le tribunal de Christ est tout aussi important. Pourquoi? Parce qu'on fait à ce lieu-là où on recevra nos récompenses. Exemple, le brigand à la croix. Il est sauvé.
Mais il n'aura aucune récompense. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur. Donc, frère, le Seigneur permet qu'après notre conversion, si on soit sur la terre, de pouvoir œuvrer avec lui et pour lui, pour pouvoir avoir des récompenses lorsqu'il reviendra. Donc, le premier point, c'était le tribunal de Christ. Donc, on est enlevé, on arrive au ciel, au paradis, on est devant le tribunal du Mashiach pour recevoir des récompenses par rapport au travail qu'on aura accompli. Donc, il y a un passage dans Jacques qui nous en parle. Il pense que les frères aussi pourront nous le retrouver, s'il vous plaît. Donc, après le tribunal de Christ, on reçoit nos récompenses, on reçoit nos couronnes par rapport au travail qu'on aura abattu, qu'on aura achevé. Troisième événement, le mariage, les noces de l'agneau. On est dans Apocalypse chapitre 19. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Bible ne donne pas une chronologie de ces deux événements. On ne dit pas que c'est d'abord le tribunal de Christ et ensuite les noces de l'agneau, ou d'abord les noces de l'agneau, ensuite le tribunal de Christ. Mais on parle des événements qui vont arriver après l'enlèvement, c'est qu'il y a le tribunal du Mashiach et il y a aussi les noces de l'agneau. Mais on le sait avec l'intelligence que le Saint-Esprit nous permet d'avoir, de se dire, bon, on arrive au ciel avant de faire la fête, avant de célébrer le mariage, c'est normal qu'on soit d'abord couronné. Un peu comme en terminale, par exemple, on ne fait pas la fête avant d'avoir eu son bac. Donc, tu es en terminale, tu attends d'avoir par exemple ton examen ou tu attends d'avoir ta licence, ton master ou ton doctorat, et après tu fais la fête. Donc, on estime, avec la sagesse que le Seigneur nous permet d'avoir, que certainement le tribunal de Christ passera avant les noces. Mais la Bible ne donne pas de précision et c'est important de le dire. Donc, après le tribunal du Mashiach, qu'est-ce qui se passe au ciel? Donc, là, on est au ciel. Matthieu 6, à partir du premier verset. Donc, on peut le lire, on peut revenir sur ça. On n'est pas pressé, donc on est dans Matthieu 6 à partir du premier verset, par exemple. Merci aux frères de la régie. Donc on est dans Matthieu 6 à partir du premier verset. Donc on est tous sur, d'abord, on finalise avec le tribunal du Mashiach. Matthieu 6 à partir du premier verset. Merci frère. Donc Matthieu 6 à partir du premier verset. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous ne recevrez pas la récompense de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les gens. Amen. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Donc ici, le Seigneur nous apprend à le servir dans la discrétion. Il dit que les hypocrites, ils font les choses, ils sont du chauffard. Donc, allez, on va en prison. Allez, on informe les caméras. Allez, on va faire une œuvre en prison. On peut le faire discrètement. Allez, on va à l'hôpital faire du bien. Allez, on sonne la trompette. Allez, on va à l'hôpital, on filme. Et puis on met ça sur tous les réseaux. Donc on dit, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas, s'il vous plaît, remettez le passage, s'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît, les frères. Donc, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés. Justement, les hypocrites, toutes les bonnes actions qu'ils posent, ils veulent filmer. Toutes les bonnes actions qu'ils posent, ils veulent toujours dire, ah frère, ah tu as vu, dernièrement, ah frère, c'était fort à la réunion, c'était puissant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais le Seigneur s'est glorifié. Oh, il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances et des guérisons. Ah, mais qui est intervenu? Oh, c'est moi. Oh, c'est de l'orgueil, frère. Et lorsqu'à chaque fois, on veut pratiquer notre justice devant les gens pour être vu, la vaine gloire, le m'as-tu vu, on n'aura aucune récompense. Premier verset, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens. Frère, toutes les actions qu'on doit poser pour le Seigneur, on doit les garder discrètes pour avoir une récompense lorsqu'on sera devant le tribunal du Mashiach. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Petite manœuvre qu'on a posée, on a aidé un frère, on a aidé une sœur. Toute l'assemblée doit savoir que, ah, tu as vu le frère là, non? Oh, mais c'est moi. Frère, lorsqu'on agit ainsi, malheureusement, la parole nous apprend ici qu'on reçoit déjà notre récompense. Les hommes, pourquoi? Parce qu'ils vont dire que, ah, waouh! Parce que qu'est-ce que les hommes diront? Ah, mais le frère là, mais il est bien. Le frère là, il est comme ci, le frère là est comme ça. Tu es en train de recevoir déjà tes honneurs et ta récompense. C'est pourquoi, frère, travaillons dans l'humilité. Travaillons dans la discrétion. Travaillons dans la simplicité. Oui, il y a des actions qu'on pose pour servir le témoignage. Amen. Là, par exemple, on a la télévision. C'est un canal qui permet de prêcher l'évangile massivement. Donc, dans le programme, vous pouvez voir des sorties qui ont été faites peut-être en prison, ainsi de suite. Ce n'est pas dans l'optique de se faire voir. C'est peut-être dans l'optique d'encourager. Donc, il y a des actions qu'on peut filmer pour encourager les autres. Voilà. Donc, tout dépend de la motivation de nos cœurs. Donc, ceux qui servent le Seigneur avec humilité. Donc, frère, lorsqu'on sert le Seigneur, on doit veiller à la motivation de nos cœurs. Toutes les actions qu'on pose par orgueil, par vaine gloire, le Seigneur voit. Même quand les gens ne voient pas, les hommes nous applaudissent, nous acclament. Le Seigneur connaît ce qu'il y a dans nos cœurs.
C'est pourquoi on doit se battre. Quel est l'état, la motivation de nos corps lorsqu'on le sert? Parce qu'on reçoit déjà notre récompense. À chaque fois que tu poses des actions, que tu cherches à être vu des hommes, tu reçois déjà ta récompense. C'est pourquoi, frère, veillons. Veillons être humble, être simple, être discret. Veillons surtout plus aux motivations de nos cœurs. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont en train de prêcher, de chanter, tout ça, de servir le Seigneur. Mais pendant qu'ils sont en train de le faire, son cœur est enflé. Il s'est dit, waouh, mais quelle grâce j'ai. C'est de la vaine gloire. Tu n'auras aucune récompense, frère. C'est pourquoi devant le tribunal de Christ, toutes les actions qu'on pose là, ça va sortir. Et on sera déjà enlevé, mais toutes les actions qu'on pose sortiront. Je vais te dire que Christ, la dernière fois que tu étais passé à la télévision, pendant que tu prêchais, ton cœur était dans l'orgueil. Tu n'as aucune récompense pour cela. Oh frère, la dernière fois que tu étais parti à l'hôpital, tout ça, là, tu as prié, le malade est guéri. Tu as pris la gloire du Seigneur. Tu n'auras plus de récompense. C'est pourquoi ceux qui font, qui vendent les miracles, ils n'auront plus de récompense. Parce que le Seigneur était clair, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi va-t-on vendre les miracles? Tu pries pour quelqu'un, pourquoi tu vas monnayer cela? Tu enseignes la parole aux gens. Tu demandes de l'argent, tu reçois ta récompense. Tu prêches l'évangile, tu donnes de l'argent, tu acceptes, tu reçois ta récompense. Toutes les gens qu'on pose, n'est-ce pas? Par orgueil, on a déjà notre récompense. On n'aura aucune récompense parce que le Seigneur reviendra. Donc après l'enlèvement, on va devant le tribunal du Mashiach recevoir nos couronnes. Donc on est dans Apocalypse maintenant, chapitre 19. Donc après le tribunal du Mashiach, on arrive aux noces. Les noces, c'est le mariage. Les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. S'il vous plaît, frère, avant Apocalypse 19, est-ce qu'on peut prendre un passage rapide dans 2 Corinthiens 11, je crois, qui vient de me venir à l'esprit. 2 Corinthiens 11, à partir du premier verset, je crois. 2 Corinthiens 11, verset 2. Excusez-nous, comme vous savez, on veut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci, frère. 2 Corinthiens 11, à partir du premier verset. Donc, pouvez-vous supporter de ma part un peu de folie, mais supportez-moi aussi. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Donc Paul dit, je suis jaloux de vous pour vous d'une jalousie d'Élohim. D'une jalousie pure. La jalousie n'est pas une bonne chose. Ici on comprend le langage de se perdre dans la foi. Car il dit, je vous ai fiancé un seul époux. Par quel canal nous devenons fiancés à Yeshua? Nous devenons fiancés à Yeshua lors de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui nous rend fiancés à Yeshua. Car je vous ai fiancé un seul époux. Et après il dit quoi? Pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. On peut enlever le passage. Donc il dit qu'il nous a fiancés à Yeshua comme une vierge, comme un seul époux. Comme une seule épouse, autant pour moi, afin de nous présenter au Mashiach comme une vierge pure. L'Église, elle épouse, elle a fiancé du Seigneur. L'Église, elle est la fiancée du Mashiach et elle en attente des noces, donc du mariage. C'est pourquoi il dit, je vous ai fiancé un seul époux, afin de vous faire paraître comme une vierge pure. Nous faire paraître comme une vierge pure nous parle des noces. C'est après l'enlèvement. J'aime la parole du Seigneur parce que le Seigneur nous enseigne même à l'instant. Donc lorsqu'on est pris pour l'enlèvement, lorsqu'on est monté au ciel, lorsqu'on va au ciel, on arrive maintenant pour les noces, pour le mariage. Et l'Église ici est comparée à cette vierge pure, à cette fiancée. Donc nous sommes la fiancée du Mashiach. Nous sommes l'épouse du Mashiach en attente des noces. Et pour ceux qui font un peu d'histoire, vous pouvez taper sur le net le mariage chez les Hébreux, comment cela se passait. Alors, le fiancé, le jeune homme venait avec son père, il rencontrait le père et la jeune fille. Et lors de cette rencontre, les parents discutaient par rapport au mariage. Donc le père faisait la demande de mariage pour son fils au père de la jeune fille. Et lorsque cela était scellé, il prenait un verre de vin. Dans le vin de la vigne, du raisin. Et c'était cet acte-là, symbolique, qui scellait les fiançailles. Et après, qu'est-ce qui se passait? Le jeune homme repartait avec son papa. Il partait préparer, n'est-ce pas, l'arrivée de son épouse. Et la jeune fille restait dans quel état?
Elle restait chaque jour, elle se faisait belle, elle se parait, elle se préparait parce que l'époux devait arriver à n'importe quel moment, l'image de l'enlèvement. C'était comme chez les Hébreux. Donc lorsque les noces avaient eu lieu, les parents étaient tombés d'accord sur les noces, sur le mariage. Le jeune homme partait préparer l'arrivée, la venue de son épouse. Comme le Machel a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et la jeune fille restait derrière à se préparer. Chaque jour, je vous assure, lisez l'histoire chez les Juifs et les Hébreux. Chaque jour, la jeune fille faisait tout pour être prête. Parce qu'elle disait, ah, mon époux peut arriver à n'importe quel moment pour la célébration. Donc, elle veillait à se préparer comme nous. Chaque jour, on doit se sanctifier. Chaque jour, on doit se battre pour craindre le Seigneur, pour avoir le cœur pur. Parce qu'il peut revenir à n'importe quel moment. Le petit instant que tu auras laissé ton cœur avoir de la haine, de la méchanceté peut être fatal. Le seul instant que tu as laissé l'orgueil gagner ton cœur peut être fatal. C'est pourquoi la repentance, ce n'est pas en assemblée. Ce n'est pas la maison, c'est en permanence. Tu marches, tu dors, tu es partout. Tu as mal agi, l'esprit t'interpelle, n'attends pas le soir pour te repentir. Si entre midi et 18 heures, le Seigneur revient, tu restes. La repentance doit être permanente. C'est pourquoi nous sommes le temple. L'esprit habite en nous. Donc à tout moment, on peut se repentir. Tu as blessé un frère à l'instant, n'attends pas de rentrer chez toi pour appeler le frère, frère, je te demande pardon. Non, répare là à l'instant. Parce que si tu attends le soir, l'enlèvement peut arriver. Donc nous sommes comme cette jeune fille, cette jeune juive, qui se préparait chaque jour et qui attendait son époux. Et chez les Hébreux, n'est-ce pas, les noces duraient 7 jours. Vous avez donc juif, par exemple, l'histoire de Samson. Donc, durant 7 jours, il a célébré les noces. Une petite parenthèse. Le premier jour des noces, le mari allait connaître sa femme sexuellement, intimement. Et les draps étaient blancs. Et la preuve de la virginité de la jeune fille, c'était lorsque le monsieur sortait avec le drap blanc, avec du sang dessus. Donc, les noces, étaient, le mari était scellé par l'acte sexuel, mais par le sang qui était sur le drap blanc. Si la jeune fille, après le premier rapport intime, il n'y avait pas du sang sur le drap blanc, elle pouvait être lapidée, parce que ça veut dire qu'elle avait perdu sa virginité. C'est pourquoi Paul dit qu'il nous a fiancés à Christ comme une vierge pure. Nous sommes purs parce que le sang de Yeshua a coulé à la croix. Et en esprit, l'église est née à la croix justement. Lorsque son côté a été percé, que du sang est sorti. Donc l'acte de mariage a été scellé par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. C'est pourquoi nous sommes vraiment les pousses du Mashiach. Alléluia. Et on est en attente des noces de l'agneau. Donc l'enlèvement a lieu, tribunal du Mashiach. Troisièmement, les noces de l'agneau. On peut aller maintenant à Apocalypse 19 à partir du verset 7. Donc ne vous inquiétez pas, l'enfermement de Dieu, c'est la grande tribulation, mais on voit quelques éléments qui précède l'enlèvement. Donc ça se passe au ciel. Apocalypse chapitre 19, on va lire à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau et que son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée quand? C'est maintenant que l'épouse se prépare. Alléluia, l'épouse se prépare en attendant ce grand jour. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc comment l'époux se prépare? En pratiquant des bonnes œuvres. Verset 9. Et il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles d'Élohim. Donc ici on dit, et il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Nous sommes bénis, nous l'épouse, nous l'ecclésia, parce que nous sommes conviés au souper, aux noces, au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont certaines, sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles d'Élohim. On peut enlever le passage. Donc voici un peu le passage qui nous relate les noces. Ce sera un souper comme on l'a appris ici. Ce sera un grand souper, ce sera une grande fête. Durant 7 ans au ciel, on célébrera les noces de l'agneau. Même si à ce sujet, il y a quelques divergences, mais le Seigneur est bon. On veut conserver la culture hébraïque qui était une culture inspirée par le Seigneur,
qui nous disait que les noces duraient 7 jours. Donc on croit fortement qu'on fera 7 ans au ciel à célébrer les noces de l'agneau. Donc au ciel, qu'est-ce qui se passe? L'église est partie. Elle arrive devant le tribunal du Machia pour recevoir ses couronnes. Et troisièmement, elle célèbre durant 7 ans les noces de l'agneau. Donc c'est la première partie de notre enseignement. Deuxième partie, qu'est-ce qui se passe durant ce temps sur terre? Parce que on est obligé de parler de ces événements en même temps, simultané. Pourquoi? Parce que pendant que nous, 7 ans au ciel, l'épouse, 7 ans en même temps sur la terre, il y a quelque chose qui se passe. Amen. On est dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Donc, premier événement, enlèvement de l'église. Deuxième événement, tribunal du Machia. Troisièmement, noce de l'agneau. Donc, nous sommes au ciel, on festoie et fait la gloire, fait la fête, c'est magnifique. On voit le Seigneur face à face, tout ça. Et sur terre, qu'est-ce qui se passe? Daniel 9, à partir du verset 20. Alors, sur terre, ce sera le début de la 70e semaine de Daniel. Daniel 9, à partir du verset 20. Donc, on rentre de plein pied dans l'enseignement du jour, la grande tribulation. Donc, dans Daniel 9, on va lire à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à Yahweh, mon Elohim, en faveur de la sainte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Verset 22. Il me fit comprendre, me parla et dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te donner de la perspicacité et du discernement. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications. Et je suis venu pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, frères, soyons très attentifs. Ce n'est pas des choses faciles, mais on compte sur le Saint-Esprit. Verset 24. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Donc on va vraiment garder, s'il vous plaît, le pas sur l'écran. Je suis obligé de le conserver sur l'écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Daniel se rend compte en lisant Jérémie que son peuple devait aller en captivité 70 ans. Mais il se rendait compte que 70 ans étaient déjà arrivés. Donc dans Daniel 9, il rentre en jeûne et en prière pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu avais dit 70 ans de servitude. Mais pourquoi les 70 ans sont passés? Pourquoi on est toujours dans la captivité? On est toujours dans le chaos? Et là, Gabriel lui donne un message par rapport aux événements. Il donne une réponse par rapport à la prière de Daniel. Et la première chose que Gabriel va lui dire de la part de Yahweh, c'est que 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, donc sur le peuple d'Israël, et sur ta ville, Jérusalem. Donc, 70 semaines ont été déterminées sur Israël et sur Jérusalem. Pour faire quoi? Pour abolir la transgression et mettre fin au péché. Donc, de l'instant où la parole avait été donnée, les prophéties sont sorties que Israël devait être reconstruit, rebâti, jusqu'au retour physique du Seigneur, il y a 70 semaines, autant pour moi. Donc, de l'instant où la prophétie est sortie qu'Israël devait être rebâti, jusqu'au retour physique du Mashiach, où il viendra mettre fin au péché, il viendra, n'est-ce pas, accorder la repentance aux Juifs, aux Hébreux, aux Israélites. Il y a 70 semaines. C'est difficile. C'est des semaines d'années. Amen. Donc, c'est des semaines d'années. On va aller un peu. Donc, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, donc sur Israël, et sur ta ville sainte, sur Jérusalem. Pour faire quoi? Pour abolir la transgression et mettre fin au péché. Donc, le Seigneur mettra fin au péché quand il reviendra physiquement pour le règne millénaire, pour la restauration du royaume d'Israël. Donc, 70 semaines pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité. Donc, pour accorder quoi? Le pardon. Donc, il met fin au péché en mettant fin au temps des nations
Et il vient aussi accorder la repentance aux Juifs, aux Israélites, à la nation israélite, pour amener la justice éternelle. Donc c'est lorsqu'il reviendra physiquement après la bataille d'Armageddon, n'est-ce pas? Quand il reviendra physiquement pour la bataille d'Armageddon, le jugement des nations, qu'il établira la justice éternelle. Pour mettre fin, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Donc verset 25. On descend. Tu sauras, donc, et tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer, pour bâtir Jérusalem jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, on apprend quoi ici? Que depuis où la prophétie est sortie, sous Néhémie-Esdras, que le temple devait être restauré, qu'Israël, le temple devait être rebâti, Israël restauré, jusqu'au Mashiach, lors de sa première venue, 7 semaines et 62 semaines se sont écoulées. Donc, on va aller doucement. On peut enlever le passage un instant, s'il vous plaît. On enlève le passage un instant et on revient. Donc, Daniel ici reçoit une prophétie relative à la fin des temps, derniers jours. Donc, l'ange lui dit que dès lors, de l'instant où la prophétie sous Néhémie est sortie que Israël devait être reconstruit, rebâti, jusqu'à la première venue du Mashiach, lorsqu'il est venu mourir pour nos péchés, se sont écoulées 7 semaines et 62 semaines. Donc, de Néhémie, ou de la prophétie sortie de la reconstruction d'Israël, de Jérusalem, du temple, jusqu'à la première venue du Mashiach, se sont écoulées 69 semaines. Ce sont des semaines d'années. Ça veut dire qu'une semaine, un jour correspond à un an. On pourra revenir sur ça prochainement, expliquer les semaines d'années. Donc, un jour correspond à un an. Donc la prophétie relative à la reconstruction du temple, à la venue du Seigneur et tout ce qui est événement à venir. Il dit donc, du moment où la prophétie est sortie jusqu'à l'avènement physique du Seigneur, quand il est venu mourir pour les péchés, se sont écoulées 69 semaines. Retenons que ce sont des semaines d'années. Un jour est égal à un an. Donc 7 ans est égal à une semaine. On repart sur le passage, s'il vous plaît, les frères. Donc, tu sauras donc que tu comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer, pour rebâtir Jérusalem jusqu'au Mashiach, le chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les ténèbres et les brèches seront rebâties, mais en des temps fâcheux. Donc, il nous apprend ici que Israël, que Jérusalem devait être reconstruit en des temps fâcheux. On l'a vu, non? Sous Néhémie, Esdras, le temple était reconstruit, mais en des temps fâcheux, c'était compliqué. Verset 26. Après ces 62 semaines, le Mashiach sera retranché. Donc on apprend qu'après les 7 semaines plus les 62 semaines, le Mashiach devait être retranché et n'aura rien. Donc on apprend quoi? À la 69e semaine, donc retenez 7 semaines et 62 semaines. Donc après ces 62 semaines, le Mashiach sera retranché et n'aura rien. Donc après les 7 semaines plus les 62 semaines, le Mashiach devait mourir de la mort qu'il a subie à la croix. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville. Donc, allons 90 avec Titus, qui était un Romain. Le chef du peuple qui viendra détruira la ville. Donc, ils ont détruit Jérusalem à nouveau et le sanctuaire. Ils ont détruit le temple et la ville. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Justement, la fin d'Israël est arrivée à ce moment. Parce qu'après après ce temps-là, Israël a vécu la dispersion, l'exil forcé dans toutes les nations. Et la terre d'Israël a disparu. La suite dit, il est déterminé que la dévastation durera jusqu'à la fin de la guerre. Verset 27. Et il confirmera, donc voici la partie qui nous intéresse. Donc, on retient, on peut encore enlever le passage s'il vous plaît. On enlève le passage un instant. On parle de 70 semaines de Daniel, pourquoi? Parce que c'est ces semaines prophétiques qui englobent tous les événements qu'on a vu. Donc, de la prophétie jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à la mort du Seigneur, n'est-ce pas? 69 semaines se sont écoulées. Donc, jusqu'à la mort du Seigneur, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem, 69 semaines se sont écoulées. Donc, mais n'oublions pas qu'au début de la prophétie, Gabriel a dit à Daniel que 70 semaines ont été établies sur ton peuple, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, 69 semaines se sont écoulées. Et si vous voulez, en ce moment, on peut le dire prophétiquement, les Israélites, les Hébreux sont dans la 69e semaine toujours, de façon prophétique.
Voilà. Mais sinon, la 69e semaine a pris fin après la destruction du temple sous Titus. Donc, on a dit que Yeshua devait mourir et le temple devait être détruit. Donc, 69 semaines. Mais n'oublions pas qu'on n'a pas de 70 semaines. Donc, il reste une semaine. Et c'est la dernière semaine-là qu'on va développer ensemble, qui représente la tribulation et la grande tribulation. Donc, on peut remettre le passage, s'il vous plaît. Daniel 9, on est au verset 27 maintenant. Donc ici on parle de l'homme impie et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc c'est des semaines d'années. Donc une semaine correspond à 7 ans. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on apprend que lorsque l'homme impie viendra, l'homme impie c'est l'antimachia, celui qu'on appelle communément l'antichrist. Donc on apprend que lorsqu'il viendra, il fera une alliance durant 7 ans. Durant une semaine avec les Hébreux, avec les Juifs. Et on dit qu'à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis sur l'aile des abominations. Donc, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis sur l'aile des abominations, il y aura celui qui cause la désolation jusqu'à ce que l'anéantissement décrété se déverse sur le toit de cette désolation. Donc, on apprend que l'antimachie arrive, il se fait passer pour la solution. Donc, il signe une alliance, un traité de paix avec les Juifs pendant une semaine, pendant 7 ans. Donc, pendant les premiers 3 ans et demi, il instaura un semblant de paix et des sacrifices se feront même dans le temple. On peut enlever le passage, s'il vous plaît. Donc, l'homme impie arrive, l'antimachie arrive. Il fait un traité de paix avec les Juifs, avec Israël pendant une semaine, parce que vous savez qu'Israël est toujours en conflit en ce moment, en conflit israélo-palestinien, en conflit avec toutes les nations. Donc lorsqu'il va arriver, il va se faire passer pour le Mashiach, pour l'homme de paix, pour l'homme de solution. Donc il signera une alliance, un traité pendant 7 ans, pendant une semaine avec les Juifs, un traité de paix. Mais on apprend qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Et là, la désolation, l'abomination de la désolation va s'établir. Et là va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation. Donc, les premiers 3 ans et demi, on va le voir, ne vous inquiétez pas, les premiers 3 ans et demi sont considérés comme étant un semblant de paix. Pourquoi? Parce que l'homme impie, l'antimachia, se présentera comme étant la solution, comme l'homme qui va venir restaurer Israël, établir la paix à Jérusalem. Donc, il fera une alliance, une solide alliance, une alliance de paix pendant une semaine, pendant 7 ans. Mais on apprend ici qu'au milieu de la semaine, donc au milieu de 7 ans, donc durant les 3 ans et demi, il va faire cesser le sacrifice et là va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est quoi la grande tribulation? La grande tribulation, c'est le deuxième 3 ans et demi. N'est-ce pas, de 7 années? Qu'on peut appeler la 70e, qu'on appelle la 70e semaine de Daniel, ou qu'on appelle l'année de la tribulation, les 7 ans de tribulation. Donc la grande tribulation, c'est les deuxièmes 3 ans et demi où l'antimachia fera cesser le sacrifice, donc établira l'abomination de la désolation dans le temple, se fera passer pour le machia et persécutera, outragera à outrance les Juifs. On va le voir au fur et à mesure. On va d'abord aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire à partir du premier verset s'il vous plaît. Donc on parle de la grande tribulation, alléluia. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions frères de ne pas être rapidement agités hors de votre pensée, ni troublés par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du marché était imminent. Verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc on apprend ici que l'homme de péché, le fils de la perdition, va se révéler pleinement, va se montrer aux nations lorsqu'il vient établir le règne et lorsqu'il vient établir le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. On apprend que cet homme est l'adversaire. L'adversaire est celui qui se lève contre tous ceux que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Donc on apprend que cet anti-machia va s'asseoir dans le temple. Il va se faire passer pour le machia. Il va offrir des sacrifices abominables dans le temple, dans le Saint des Saints. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Donc quand il reviendra, n'est-ce pas, premièrement,
il va montrer un visage doux. C'est pourquoi on parle ici de deux révélations. La première révélation, il apparaît, il montre un visage doux, le visage de l'homme de paix. Mais la deuxième partie, des deux ans, 3 ans et demi, il révèle maintenant son vrai visage. Parce que l'église sera déjà partie, l'église sera plus. Donc il révèle son vrai visage. Verset 7. Par le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Donc on apprend que la violation de la Torah est déjà manifeste. Mais l'homme impie, l'antimachin, même lorsqu'il viendra, n'est-ce pas? Donc durant les premiers 3 ans et demi, il ne violera pas la Torah de façon totale. Il va respecter plus ou moins les principes, la Torah. C'est lors de la deuxième partie qu'il va violer maintenant pleinement la Torah. Qu'il va offrir dans le temple des sacrifices impies. Qu'il va pourchasser les Juifs. Qui va les massacrer? C'est ça la grande tribulation. La grande tribulation, n'est-ce pas? C'est les Juifs qui sont massacrés par l'antimachia et par les nations. Donc la grande tribulation concerne d'abord les Juifs. Ne l'oublions pas. On dit verset 8, non? Et alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Donc on reviendra sur ça prochainement. On va encore prendre un autre passage dans Matthieu chapitre 24. Donc on apprend ici que lors de la deuxième partie de 3 ans et demi, qui est la grande tribulation, c'est les Juifs qui sont pourchassés, qui sont tués, qui sont déduits. Pourquoi? Parce que l'antimachia offrira dans le temple des sacrifices abominables. Pourquoi? Parce qu'il fera sortir son vrai visage. Et alors là, les Juifs diront, le refuseront, le rejetteront. Donc il va faire stopper l'alliance qu'il a signée avec eux. Et les yeux des Juifs s'ouvriront, ils sauront que ça, c'est pas le Messie, c'est pas le Machia, c'est un imposteur. Et là, il va les traquer, il va les persécuter, les tuer. Donc dans Matthieu 24, à partir du verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète, est établi dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Donc ils sont pas de l'abomination. Donc c'est durant les deuxièmes 3 ans et demi qu'il établira l'abomination de la désolation dans le temple. Et ici, Yeshua dit que celui qui l'y comprenne. Verset 16, on dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc le Seigneur encourage les Juifs, les Israélites à fuir, parce qu'ils seront traqués pour chasser. Ça va se passer là-bas à Jérusalem. Donc ils vont traquer à Jérusalem, ils vont fuir dans les nations, ils seront pourchassés dans les nations. Et on dit quoi, verset 17? Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre des habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront. Pourquoi? Parce que l'homme impie va éventrer les femmes, va violer les Juifs. Les femmes juives seront violées, les hommes seront massacrés. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de la guerre des Maccabées sur Antiochus Épiphane. Lisez cette histoire. Il y a une femme juive et c'est cet enfant qui a été totalement découpé en morceaux à cause de leur foi. Donc ici, à cause de leur foi, les Juifs seront massacrés parce qu'ils seront refusés, n'est-ce pas, l'homme impie. Ils auront refusé de se soumettre, n'est-ce pas, aux abominations qu'ils feraient dans le temple. Alors qu'il met malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Donc il dit que votre fuite ne doit pas arriver en hiver, sinon vous allez, sous l'hiver, vous n'allez pas supporter, parce que l'hiver va vous allez vous glacer. Vous allez partir. Donc les Juifs seront pourchassés. Donc la grande tribulation concerne d'abord les Juifs. Deuxièmement, la grande tribulation concerne tous les chrétiens qui se convertiront, toutes les personnes qui se convertiront durant la grande tribulation, qui viendront en aide aux Juifs. Donc on dit prier pour que ça n'arrive pas un jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que vous savez que les Juifs autochtones, les Juifs toujours actuellement, ils pratiquent le Shabbat. Et durant le Shabbat, il y avait une distance qu'on ne pouvait pas parcourir. Si les frères peuvent nous la retrouver, donc c'était 2000 mètres comme ça, une distance de ce genre. Donc durant le Shabbat, les Juifs ne pouvaient pas parcourir 2000 mètres. Que les frères nous confirment ça, s'il vous plaît. Donc il dit que votre fuite n'arrive pas un jour de Shabbat, sinon vous êtes mal barrés. Parce que vous savez que les Juifs toujours pratiquent le Shabbat, ils pratiquent toujours les fêtes de Yahweh, tout ça là. Ils n'ont pas la révélation que le Mashiach a déjà accompli toutes ces choses. Donc dans la grande tribulation, ils seront traqués. Donc la grande tribulation, c'est la guerre contre les Juifs. C'est la destruction des Juifs d'abord. Deuxièmement, c'est la destruction de toutes les personnes qui se convertiront durant la grande tribulation.
Le passage qu'on a lu, par exemple, tout à l'heure de Thessaloniciens, qu'on parle de l'antimachat qui se révélera jusqu'à ce que celui qui le retient disparu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Souvent, certains croient que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Église. Parce que durant la grande tribulation, le Saint-Esprit sera toujours là. S'il y a des conversions durant la grande tribulation, c'est que l'Esprit sera toujours là. La Bible dit dans Romains 8, là-bas, je crois, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, les gens qui se convertiront recevront l'Esprit durant la grande tribulation. Mais la différence avec nous, c'est que, on va le voir dans Apocalypse tout à l'heure, que l'antimachie aura le dessus sur eux. Donc, on est dans Matthieu 24 qu'on a lu tout à l'heure. On était sur quel verset, s'il vous plaît, les frères? Donc, on va maintenant prendre la partie du verset 21. Car alors, il y aura une grande tribulation. Donc, vous voyez que c'est écrit, non, il y aura une grande tribulation. La tribulation nous parle de la persécution. La tribulation nous parle, n'est-ce pas, de l'épreuve, de la difficulté. Donc, il y aura une grande tribulation. Telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Donc, je vous assure, vous qui nous suivez, la grande tribulation sera l'événement le plus meurtrier, le plus difficile. On dit tant, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Imaginez-vous. Donc la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les guerres froides, toutes les guerres qu'on a suivies, les guerres du Vietnam, il n'y aura pas eu une guerre comme la grande tribulation. C'est compliqué. Les gens seront pourchassés, crucifiés, seront éventrés. Parce que quoi, l'homme qui machia va se révéler. Donc il va pleinement détruire et faire du mal. C'est pourquoi chrétien, on doit partir avant, on doit partir pour ne pas vivre 7 ans. On lit verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause de celui, ces jours seront abrégés. Donc, ils ne sont pas d'abord des Juifs. C'est eux le peuple élu du Seigneur, premièrement avant l'Église. Donc, ils se sont dit que ces jours seront justement abrégés à cause des Juifs, à cause des élus. Donc, à cause des Juifs, le Seigneur permettra que la tribulation dure juste 3 ans et demi. Parce que ça poursuivait dans le temps. Aucun Juif, aucune chair ne devait être sauvée. Pourquoi? Parce que beaucoup vont succomber. Durant la grande tribulation, beaucoup vont succomber. Beaucoup vont se haïr, se trahir les uns les autres, comme la Bible le dit. Ils se haïront, se trahiront les uns les autres. Il y aura même des gens, à cause de la difficulté, qui vont manger les autres. Des femmes mangeront leurs enfants à nouveau, comme ça avait lieu par le passé. Et rappelez-vous, on va le voir tout à l'heure, que durant la grande tribulation, une marque de la bête sera imposée. Afin de manger, d'acheter, de vendre. On a dit que tous ceux qui refuseront la marque de la bête connaîtront la famine, connaîtront la difficulté. Donc ça va être compliqué la grande tribulation. C'est pourquoi, frère, nous devons fuir ces choses-là. On doit se sanctifier pour partir. On va prendre Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, on va à partir du verset 11 d'abord. Donc les Juifs seront massacrés. Et toutes les banques qui se convertiront durant la grande tribulation seront aussi poursuivies, pourchassées. Pourquoi? Parce qu'elles refuseront la marque de la bête. À partir du verset 11. Et je vis une bête montant de la terre. Donc la première bête, d'Apocalypse chapitre 13, monte de la mer, du chaos. N'est-ce pas? On voit que la deuxième bête, elle monte de la terre. Donc elle intervient à partir de la grande tribulation. Et je vis une bête montant de la terre. Et elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon. Donc ils ne sont pas du faux prophète. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habiteront adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Donc dans la grande tribulation, le faux prophète va prêcher l'antimachia pour que les habitants de la terre l'adorent lui. Verset 13. Et elle produit des grands signes. Donc il y aura beaucoup de miracles mensongers. Même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains. Donc frère, les signes dans le ciel ne doivent pas nous impressionner. Car le faux prophète fera descendre le feu du ciel, comme avait fait Élie et Élisée. Verset 14. Et elle égare ceux qui habitent sur la terre. À cause des signes qui lui étaient donnés de produire devant la bête. En disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Donc ici, le faux prophète va pousser les habitants de la terre à adorer l'antimachia. C'est terrible. Et ceux qui refuseront de l'adorer seront pourchassés. Mais quand ils seront tués, je vous assure, ce ne sera pas comme pour une fusion, te tire dessus, tu meurs d'un coup, non. Ce sera une mort à petit feu, comme sous la bataille des Maccabées, sous les Maccabées. Je vous assure, ils prenaient un être humain. Je m'appelle de cette femme et de ces 7 enfants. On prend un enfant, on coupe doigt par doigt. Donc tu vois comment tu es en train de mourir. Ce sera terrible. Les gens étaient brisés vivants.
ça la grande tribulation. Verset 15. Il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient mis à mort. Donc tous ceux qui, durant la grande tribulation, vont refuser d'adorer la bête, d'adorer l'antimachia, seront mis à mort, seront pendus vivants, seront détruits, saccagés. Ça va être terrible. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. La marque de la bête sera imposée durant cette deuxième phase. Donc pour pouvoir vendre, pouvoir acheter, pouvoir manger, il va falloir avoir cette marque. C'est la marque de la flétrissure dont nous parle Paul dans 1 Timothée 4. C'est la marque du péché. Et cette marque sera, dans la grande tribulation, sera physique. Les gens l'auront sur leur front et sur leurs mains. Alors que présentement, elle est dans les consciences simplement. Mais la marque de la bête sera physiquement maintenant. Sera la marque d'appartenance à cet animal, à cette bestiole, à cette bête, à l'antimachia. Et tous ceux qui n'auront pas cette marque auront la marque du Seigneur, donc la marque de l'Esprit. Et ceux qui auront la marque de l'Esprit, qui n'auront pas le souffle seront persécutés, pourchassés. Verset 17, s'il vous plaît. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui aura la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc on apprend que durant la grande tribulation, pour acheter ou vendre, pour manger, pour vivre, il faudra avoir cette marque, frère. Ce sera cruel. Ici, verset 18, ici est la sagesse. Que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un homme humain, et son nombre est 666. 666. Donc durant la grande tribulation, les juifs, les peuples qui vont se convertir, qui viennent en aide aux juifs, seront pourchassés, persécutés par l'antimachia, par son gouvernement mondial, par les nations païennes. Toutes les personnes qui auront la marque de la bête vont poursuivre les juifs, vont les pourchasser, vont leur faire du mal. Ce sera terrible. Et tous les chrétiens, toutes les personnes qui se convertiront, donc les chrétiens, n'est-ce pas, qui seront durant la grande tribulation, se seront pourchassés, détruits, cisaillés. On est dans Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset maintenant. Apocalypse chapitre 13, on est à partir du premier verset. Et je regardais et voici, Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset. Et je me tins sur le sable de la mer. Et je vis montant de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? N'est-ce pas? Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc 42 mois, si vous calculez, ça correspond à 3 ans et demi. Donc il lui fut donné une bouche. On garde le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Donc la grande tribulation correspond à 42 mois. Donc durant les 42 mois là, elle avait une bouche pour proférer de grandes choses et des blasphèmes. Elle va blasphémer contre le Seigneur. Elle va blasphémer contre le peuple d'Élohim. Durant 42 mois. Donc la grande tribulation, c'est 42 mois, 3 ans et demi. Où les juifs seront pourchassés, détruits, brûlés, consumés totalement. Et les chrétiens qui auront raté pour certains l'enlèvement, et les chrétiens qui se convertiront, et les peuples qui se convertiront durant la grande tribulation. Verset 6. Verset 6, s'il vous plaît. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Donc elle va blasphémer contre le nom du Seigneur, contre le tabernacle, contre le temple du Seigneur. Elle va offrir des abominations, des sacrifices abominables. Et ceux qui dressent leur tente dans le ciel. Verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Donc on apprend que durant la grande tribulation, la bête, l'antimachia, aura la victoire sur les saints. C'est clair. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de remporter la victoire sur eux. Vous savez qu'actuellement, Satan n'a pas la victoire sur nous. Alléluia, parce que Yeshua nous garde, il combat pour nous, il combat avec nous. Mais on apprend que durant la grande tribulation, le Seigneur lui-même, de façon volontaire, va donner à la bête l'autorité de vaincre les chrétiens. C'est pourquoi on doit partir.
Donc durant la grande tribulation, les chrétiens n'auront plus la même capacité qu'on a aujourd'hui. Le Seigneur nous garde. Satan n'arrive pas à nous toucher sans la volonté du Seigneur. Satan ne peut rien nous faire sans que le Seigneur le permette. Il n'arrive même pas à se matérialiser palpablement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, parce que l'Église est encore là, parce que le Seigneur nous garde. Mais durant la grande tribulation, il sera tel qu'il est. Ce sera une bête. On parle de la bestialité, de l'animalité. Et là, il va faire du mal aux humains. Il fera du mal aux juifs et à toutes les personnes qui accepteront le Seigneur durant la grande tribulation. Et on apprend ici qu'il aura même la victoire sur eux. Il fera des chrétiens ce qu'ils voudront. Et on apprend que les chrétiens seront sauvés uniquement qu'au prix de leur vie, comme on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 13. Verset 8. Non, verset 7, autant pour moi. Verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints de les remporter et de remporter la victoire sur eux. Il lui fit aussi donner autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Frère, durant la grande tribulation, c'est l'homme impie qui va régner sur toutes les langues, sur toutes les nations, sur toutes les tribus. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Satan qui règne, mais le Seigneur a sa main. On est d'accord que le Seigneur a sa main. Satan ne peut pas tuer un individu, ne peut pas provoquer un accident sans que le Seigneur ne le permette. Parce que le Seigneur est le Créateur, celui qui décide toutes choses. Satan ne décide rien. Il va demander la permission au Seigneur. Mais durant la grande tribulation, il n'y aura plus de permission à demander. Il fera ce qu'il voudra. Parce que le Seigneur lui aura légué l'autorité. C'est fort. Il lui fit aussi donner l'autorité par qui? Mais c'est le Seigneur qui laissera la bête faire ce qu'elle voudra. Pourquoi? Parce que justement, c'est la grande tribulation. Il sera la correction. Ce sera le temps où l'homme impie régnera pleinement. Verset 8. Et ils l'adoreront. Tous ceux qui habitent sur la terre. On apprend que tous les habitants de la terre vont adorer la terre. Tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. On apprend que toutes les personnes qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau vont adorer la bête. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un emmène en captivité, il s'en va en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit aussi lui-même tué par l'épée. C'est la persévérance et la foi des saints. Donc on apprend que durant la grande tribulation, ce sera difficile, ce sera compliqué. On peut enlever le passage, s'il vous plaît. Ce sera difficile, ce sera compliqué pour les juifs, mais aussi pour les personnes qui accepteront le Seigneur. Il y aura une grande détresse, comme on l'a vu dans Matthieu, comme il n'y en a jamais eu de pareil. La bête aura l'autorité. Elle fera ce qu'elle veut. C'est pourquoi, frère, la grande tribulation, ce n'est pas pour les disciples, ce n'est pas pour nous. On va prendre un autre passage, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, on est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire à partir du premier verset. Mais concernant les temps et les époques, frère, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même précisément que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils diront paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont pas. Donc ici, on nous parle de cette alliance de paix et de sécurité qui aura été signée entre l'antimachia et les juifs pendant 7 ans, n'est-ce pas? Et on dit que quand ils diront paix et sécurité, oui, sûreté, donc quand ils seront rassurés, quand ils seront en paix, on dit qu'une ruine soudaine les surprendre. En fait, une soudaine, c'est là le début de la grande tribulation. On dit quoi? Mais ils n'échapperont pas. Donc, ils ne pourront pas y échapper. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Verset 4. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc, on ne peut pas être surpris par quel jour? Par le jour du Seigneur, dont il a été fait mention plus haut. Quand le Seigneur viendra, on partira avec lui. Verset 5. Vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre. Verset 6. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, verset 8. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Verset 9. Parce qu'Élohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua. Donc, je voulais comprendre ce passage pour réaliser que le Seigneur n'a pas destiné l'Église à la colère à venir. Donc, on peut enlever le passage, s'il vous plaît.
Donc on apprend ici que le Seigneur n'a pas destiné l'église, l'épouse, à traverser la grande, à passer par la grande tribulation. L'église sera enlevée bien avant. L'église sera enlevée bien avant. Et on apprend ici que le Seigneur nous a destiné à l'acquisition du salut. Donc il nous a destiné à la vie éternelle. Il nous a destiné à partir avec lui pour les noces lorsqu'il reviendra nous prendre. Donc la colère à venir, nous ne sommes pas... Donc, autant pour moi, excusez-moi, donc les chrétiens, l'église, l'épouse n'est pas destinée à la colère à venir. Et si vous lisez par exemple Matthieu, Apocalypse chapitre 16, je crois, on ne va pas le lire, je vais juste vérifier. Dans Apocalypse chapitre 16, on nous parle justement du fait de coupe de la colère. Donc durant la grande tribulation, le Seigneur va déverser le coupe de la colère aussi en même temps sur l'homme impie. Et sur les nations, sur la terre, il déversera les sept coupes de colère sur la terre. Donc les sept coupes de colère seront déversées par le Seigneur durant cette période-là. Parce que justement, l'homme impie, l'anti-machia, aura massacré le peuple du Seigneur. Donc le Seigneur aussi exercera sa colère sur les nations durant cette période. Donc il va déverser les sept coupes de colère. Donc les sept coupes de colère seront déversées durant cette deuxième partie de grande tribulation. Ils seront concernés par les sept coupes de colère, les nations païennes, l'anti-machia, le faux prophète et toutes les personnes qui auront la marque de la bête. Donc le Seigneur aussi va déverser les sept coupes de colère durant la deuxième phase de la grande tribulation sur les nations païennes. Et le passage, n'est-ce pas, où le Seigneur disait dans Matthieu 26, je crois, Matthieu 25, que j'étais en prison, vous n'êtes pas, vous m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous m'avez pas vêtu, s'accomplira. Ce sera durant la grande tribulation, parce que les Juifs seront pourchassés, et justement les croyants, les gens qui se convertiront durant la grande tribulation viendront en aide aux Juifs durant cette période. Certains prenant les Juifs chez eux vont les cacher au risque, au prix de leur foi et de leur vie, dont les Juifs seront amenés en prison, les Juifs seront pourchassés sur toute la surface de la terre. Donc la grande tribulation commencera bien sûr à Jérusalem parce que l'anti-machia établira son règne là-bas, n'est-ce pas, son faux règne. Il établira là-bas et il fera des faux sacrifices au niveau du temple. Donc la grande tribulation commencera à Jérusalem, elle va s'étendre sur toutes les nations de la terre, donc les Juifs seront pourchassés parce qu'ils vont fuir. Donc la grande tribulation est un événement qui est réservé, n'est-ce pas, pour les Juifs. Tous les Juifs actuellement qui n'acceptent pas, qui ne croient pas dans le Seigneur Yeshua, aussi pour toutes les personnes qui resteront. Et qui durant cette période refuseront d'avoir la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains. Ces personnes seront pourchassées et massacrées. Donc pour nous chrétiens par exemple, nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce du Seigneur. Nous devons saisir la main du Seigneur, nous devons saisir les avertissements du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit qu'il ne nous a pas destiné à la colère à venir. Dans la première phase de la colère du Seigneur, les sept coupes de colère seront déversées durant la grande tribulation justement sur les nations. Ce n'est pas pour nous ces coupes-là. C'est pourquoi efforçons-nous de craindre le Seigneur, efforçons-nous de nous sanctifier. Donc, vous voyez que mon langage est limité pour parler de ces événements. Pourquoi? Parce que c'est des événements tellement grandioses. On essaie avec le peu de sagesse que ça nous permet d'avoir, de retransmettre cela. Amen. Donc c'était un peu ce qu'on pouvait dire de façon brève sur la grande tribulation. Donc pendant 7 ans, donc on a vu dans Daniel 9, n'est-ce pas, que l'anti-machia va sceller une alliance durant 7 ans. Et on a vu que c'est des semaines d'années. Un jour correspond à un an. Donc 7 semaines, une semaine correspond à 7 ans. Le milieu de la semaine, n'est-ce pas, il va rompre l'alliance, il va commencer à pourchasser les Juifs. Donc la grande tribulation, c'est les deuxièmes 3 ans et demi qui correspondent aux 42 mois. On apprend que durant cette période, la terre, les tribus et tous les peuples seront soumis à l'anti-machia. Il fera ce qu'il veut. Il y aura des abominations qui seront faites sur la terre. N'est-ce pas? Le mal atteindra son paroxysme à ce moment-là. Et les Juifs seront pourchassés et toutes les personnes qui accepteront le Seigneur seront pourchassées durant cette période. C'est pourquoi, frères, nous devons nous sanctifier, nous devons nous battre pour craindre le Seigneur. On a aussi vu que durant cette période de la grande tribulation, les sept coupes du Seigneur seront déversées sur la terre. Mais on a aussi vu que durant cette période, pour manger, pour acheter, pour vendre, pour vivre, il faudra avoir la marque de la bête ou sur la main ou sur le front. Le front, c'est l'image de la conscience. La main, c'est l'image de l'action. Et on a aussi vu qu'en esprit, déjà, beaucoup de personnes ont la marque de la bête dans leur conscience. Comme Paul l'a dit, la marque de la flétrissure. Mais durant la grande tribulation, elle sera matérielle.
Donc, durant la première partie de 3 ans et demi, il y aura un semblant de paix. Il ne sera pas la grande tribulation. Les gens vivront encore librement. Mais c'est lors de la deuxième partie, comme on l'a vu, n'est-ce pas, dans 1 Thessaloniciens 5, que quand ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, que la ruine soudaine va les surprendre et que va démarquer la grande tribulation débutera. Et on a aussi vu que toutes les personnes qui se convertiront durant cette période seront sauvées au prix de leur vie ou au prix de leur sang. On va prendre le dernier passage dans Apocalypse chapitre 7, je crois. On finit avec ça. Donc, comme vous voyez, on essaie, à partir du premier verset, on essaie de donner le peu que le Seigneur nous permet de comprendre. Donc, on va lire ce dernier passage dans Apocalypse chapitre 7. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, d'où vient le soleil, ayant le sceau d'Élohim vivant. Il cria d'une grande voix aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, ne faites pas du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Élohim sur leur front. Donc, verset 4, et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau était 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc, on apprend que dans cette période, le Seigneur lui-même choisira 144 000 Israélites juifs qui seront mis à part aussi. Donc, de la tribu de Yehuda, donc il y aura 12 000. Donc, il y aura 12 000 de chaque tribu. Donc, on apprend que durant la grande tribulation, il y aura les 144 000 que le Seigneur choisira de mettre à part. Voilà, on ne sait pas qui c'est, fait le Seigneur sait. On va lire à partir du verset 9. Donc, à partir du verset 9, après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et de palmiers dans leurs mains. Ils crièrent à grande voix en disant, le salut est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants. Et ils tombèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Elohim en disant, amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim d'âge en âge. Amen. Verset 13. Et l'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc on apprend que dans la grande tribulation, il y aura beaucoup de conversions aussi. Donc ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Élohim et ils lui rendent leur culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc on peut s'arrêter là. On peut enlever le passage s'il vous plaît. Donc on apprend ici que durant la grande tribulation, il y aura beaucoup de conversions. Des personnes qui se convertiront, qui n'accepteront pas la marque de la bête. Ce sera au prix de leur sang, au prix de leur vie. Et il y a un autre passage dans l'Apocalypse, je pense 9 ou 6, qui dit que durant 5 mois, si j'ai bonne mémoire, en tout cas durant un certain temps, durant la grande tribulation, les gens essaieront de se donner la mort, mais même la mort aura disparu. Parce que la souffrance sera tellement grande. Certains vont décider par exemple, de se mettre sur des immeubles, de se jeter pour se donner la mort. Certains vont essayer de s'épandre. Mais pendant une certaine période, je pense 5 ou 3 mois, la mort même aura disparu parce que les gens devront payer de leur vie, de leur désobéissance au Seigneur. C'est pourquoi, frère, battons-nous pour partir. Des choses qu'on essaie de communiquer avec nos mots, mais nos mots sont vraiment faibles pour retransmettre la véracité de cet événement qui sera terrible. On a vu que ce sera un moment de terreur, un moment compliqué. Battons-nous pour craindre le Seigneur. Partons l'enlèvement de l'Église. Ne disons pas non, bon, comme les gens pourront se convertir dans la grande tribulation, moi je préfère rester attendre. Mais ce sera au prix de ta vie que tu seras sauvé. Donc qui sait si tu tiendras ou pas. Parce que vous voyez que même présentement, la bête n'agit pas pleinement, mais c'est déjà difficile. Donc imaginons lorsqu'elle aura l'autorité, la puissance d'agir pleinement, ce sera vraiment compliqué. Donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous concernant la grande tribulation. Donc c'est la dernière semaine, c'est la grande tribulation correspond à la 70e semaine ou au milieu de la 70e semaine dont Daniel nous a parlé.
Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Bonne soirée chez vous.